Pour Alessandra Sublet, la page de l'animation est tournée. Désormais, c'est Hélène Manarino qui va prendre sa place dans l'émission c'est Canteloup. Un défi pour la journaliste qui a accepté de se confier sur ce choix pour nos confrères du Parisien. Je suis très heureuse et honorée d'avoir été choisie par Ara Aprikian, directeur des programmes de TF1, et Jean-Marc Dumontet, producteur de Nicolas Canteloup. C'est un magnifique terrain de jeu, évoque-t-elle avant de poursuivre, s'amuser de l'actualité, la parodier et la détourner avec une liberté de ton dingue, à une heure de grande écoute et sur une chaîne comme la nôtre, c'est absolument génial. On a besoin de cette liberté aujourd'hui. Et il y a de l'information avant chaque parodie. Hélène Manarino souhaite tout de même mettre sa petite touche dans le programme, je vais pouvoir être moi-même. Les gens qui me connaissent un peu vont retrouver l'Hélène que je suis. J'ai énormément d'autodérision. Et nous travaillons sur une évolution dans le programme. Nous sommes ambitieux et avons beaucoup d'idées. Mais attention, celle qui remplace Alessandra Sublet a tenu à faire une mise au point. En effet, elle qui officie en tant que journaliste sur LCI a souhaité mettre les points sur les i. Hélène Manarino fait une mise au point en effet, Hélène Manarino a confié, je suis et je reste journaliste. Je le suis depuis mes 14 ans et je reste accroché à l'information. J'ai la chance de pouvoir faire plein de choses différentes et le journalisme me sert dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, nous avons la chance de casser les codes préétablis et de faire du divertissement comme de l'information, explique-t-elle, en prenant l'exemple d'autres confrères, d'autres le font comme Denis Brognard, mon collègue Christophe Beaugrand, Leïla Kadour, Anne-Elisabeth Lemoine, ma grande amie Marie Portolano ou encore Nico Saliagas. Un grand journaliste.